quand on veut, on peut. Et c'est rien d'y penser, indispensable comme un salaire. Mais on t'a licencié, notre avenir un précipice. Agonie existentielle, faux pessimiste. VS élitiste et déficit de chrysanthème. Vaut mieux être déter, quitte à perdre espoir. Ne pas sombrer dans l'éther, aller chercher l'exploit. Donc on renverse l'ordre dans les actions quotidiennes. Un narco solidaire face à des nations solitaires. Spiritual, IF, l'union des forces face au capitalisme. Range TMC, seuls les vrais gars rivalisent. Pourquoi seulement vouloir, au lieu de reprendre le pouvoir, manier le mic comme un défouloir? Mais à quoi bon? Bien sûr qu'il faut le vouloir pour avancer, mais ça ne suffit pas. C'est pas ta motivation qui fera que tu réussiras. Moi aussi j'aimerais que la volonté soit suffisante. Je te l'ai déjà dit, comprendre ne te rendra pas plus puissant. Ceux qui disent le contraire ont un intérêt à te le faire croire, et seront en danger si tu te rends compte qu'il y a peu d'espoir. Notre idéologie c'est leur bête noire. Si notre rêve s'accomplit, leur rêve foire. Le moindre riche te dira que son poste est à portée de tous, que si t'es pauvre mais que t'as l'ambition, tu peux empocher le tout. Évidemment ça aide à vivre d'y croire. Ça rend surtout docile jusqu'à ce que se finisse l'histoire. Qui ne tente rien n'a rien. Non tu te trompes vu que souvent qui tente n'a rien non plus. Quand on veut on peut, pas nécessairement. Quand on peut aussi laisser ses dents. Qui ne tente rien n'a rien. Non tu te trompes vu que souvent qui tente n'a rien non plus. Quand on veut on peut, pas nécessairement. Quand on peut aussi laisser un ses dents. Un constat alarmant te pousse à abandonner. On lâchera pas les objectifs maintenant qu'on a tant donné. Tu as tes désirs, tes envies et Babylone te gagne. Tu te contentes d'être en vie entre l'étau et le bagne. La sale publicité est pas mal plébiscitée. Pas besoin d'expliciter, chaque momie est initiée. La jeunesse tombe dans le panneau et elle divague, elle se divise avec le temps, ouais. Face au mirage, ça finira devant TF1 avec des puces RFID à l'heure où des fréquences viennent embrouiller nos idées, ouais. C'est décidé, à l'heure où tout est sous contrôle, pas le temps d'hésiter, non. Qui ne tente rien n'a rien, mais il n'y a que ceux qui essayent qui ratent. T'attendais des miracles, mais ton rêve s'épuisera. Toujours les mêmes histoires, toujours les mêmes qui rachent. Toujours les mêmes qui raflent tout et les mêmes qui rament. Ouais, les mêmes pirates de l'esprit qui décident de qui survit ou bien de qui décède. Et puis, toujours les mêmes qui désirent ne plus jamais être exclus sans période de TSS. C'est pourquoi les divertissements te servent de défouloir. C'est fou de croire que ta foi est un super pouvoir. Le couloir n'est plus semé d'embûches mais parsemé de trous noirs. S'il suffisait de vouloir, ça saurait et ça mettrait le foutoir. Ha. Quand on veut, on peut, hein. Spiritual. Qui ne tente rien n'a rien. Non, tu te trompes vu que souvent qui tente n'a rien non plus. Quand on veut, on peut, pas nécessairement. Quand on peut aussi laisser ses dents. Qui ne tente rien n'a rien. Non, tu te trompes vu que souvent qui tente n'a rien non plus. Quand on veut, on peut, pas nécessairement. Quand on veut aussi laisser ses dents.